Les amis, alors c'est Phil Flow 321. C'est parti pour le 8ème épisode de ce Let's Play sur Assassin's Creed Chronicles India. J'ai bien fini par y arriver. Il faudrait que je puisse le tuer lui, sans être vu. No direct line. Perhaps I could bounce my chakram off the walls. That's a good start. Voilà. Just two more pieces to find. Pas trop où est-ce que ça devait faire. Ah ouais, c'était un des grades, ok. Des gardes gradés. Voyons voir. Pour l'instant, je peux pas aller vers lui. Thank you.
prendre le coffre. Oh, j'ai vu un nouveau truc. Un rouleau 6. Arbal se disputa avec Amin à propos du Maharaja, qu'il considérait comme un bourreau. Mais Amin lui fit comprendre qu'il était en réalité le dernier rempart des Indes face aux Britanniques. Arbal se vit ainsi confier la tâche de protéger le Maharaja et d'arrêter coûte que coûte les Templiers. Il n'avait pas pour mission de retrouver le Kohinoor car le diamant était considéré comme maudit et mortellement dangereux pour tout homme. Avant de partir, Arbal acheta à Amin son serviteur muet, Razasura, car il désapprouvait les mauvais traitements que lui affligeait Amin. Alors... Faut que je trouve un moyen de l'atteindre, lui. Peut-être... Non, c'est encore fermé. Oh, c'est pas bon ça. Les mains de déguisement récupérés. Ah ouais, d'accord, le deuxième. Voilà. C'est-à-dire que j'ai tout là normalement, non? Je sais pas. Non. Il me manque le couvre-chef. Et juste au-dessus. The smoke should shield my movements. Oh, par contre, lui, ouais, il va falloir la fumer pour lui, je crois. Hein. Ouais.
C'est là que je dois aller, mais faut les vêtements. Et voilà, j'ai tout. Now to get back to that checkpoint. Wow. Oh, j'ai un petit peu fait mal là. Townsfolk through the gates. Anybody else? And we all locked down. Et voilà, tranquille. Disguise now I'm through. I need to reach Amid and it isn't going to work where I'm heading. These bells are all linked. If I get seen, they will set them off and Amid is dead. Oh, ouais, c'est dans la merde. Bon alors attendez. Bon bah on va dire vite fait tout ce que j'ai loupé. Hein. C'est bien ce que j'avais cru comprendre, faut péter la carte. Ah, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ah, le problème c'est que c'est ça. Ouais, faut que je monte au-dessus. Ah oh merde! Je me suis fait avoir là.
Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Putain de connerie. Bon, j'ai un truc, mais que là je sais même plus comment on fait pour se remonter. Ah voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Je trouve pas ça, non? You stop. Yeah. Oh mais non, mais putain. Nearly there, old friend. Hold on. Must have been the wind.
J'ai cru qu'il allait venir en bas, mais non, j'ai vu qu'il n'y avait pas de porte. Ok, rouleau 7. Arbaz était persuadé que le diamant porté par le Maharaja était une copie. Il décida alors de protéger le véritable artefact en le volant dans le Toshakana ou celle du trésor afin d'empêcher les Templiers de s'en emparer. Arbaz et Raja parvinrent à entrer au palais en se faisant passer pour des émissaires cachemiriens et l'assassin demanda à son serviteur de chercher Bulti Ram, le trésorier de Singh. Mais non mais, putain mais quel connard, je suis con putain. Je suis vraiment trop débile. Heureusement je comprends pas ça d'ici. Je suis obligé de descendre là par la flèche, c'est ça? Ah ouais. Stop. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais me faire avoir. Hein? Non, comment voulez-vous que je passe? Soit je passe là, soit je passe là, je me fais avoir des deux côtés. Bon les amis, là, c'est la fin de cet épisode, alors à la prochaine, salut.